Hello tout le monde, alors aujourd'hui de nouvelles vidéos, ça va être la deuxième partie du hobby, donc tout ce qui est le gros nœud en fait. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle vous sera utile si jamais vous aussi à votre tour vous voulez réaliser un nœud pour un hobby. Alors tout d'abord j'ai commencé par reporter tous mes patrons sur mon tissu, puis après j'ai tout découpé à l'aide de mon ciseau. Ensuite, j'ai tout passé en machine et j'ai tout retourné pour avoir le rendu qui m'intéresse. Ensuite, j'ai récupéré un ruban doré que j'ai directement collé sur mon tissu avec ma colle néoprène. D'un seul côté, c'est pas utile de faire des deux côtés.
Et après, j'ai passé la base du nœud, je dirais, directement à la machine pour fermer les deux côtés, parce que si vous avez bien vu, quand on retourne en fait le tissu pour l'avoir du bon endroit, ben forcément il y a toujours un côté qui est ouvert. Donc là, avec mon fil bleu, j'ai cousu tous les bords en fait qui m'intéressaient pour pouvoir refermer la base du nœud. Ensuite, il m'a suffi de rembourrer le nœud. J'ai pris du rembourrage, je vous mettrai là où enfin, c'était sur Amazon, pour peluche en fait. J'ai rembourré le haut du nœud, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, avec le rembourrage et puis j'ai cousu à la main pour refermer entièrement le nœud. Et ensuite, eh ben, il suffit de commencer à assembler doucement le nœud. Donc, la partie bleu foncé en bas, j'ai aussi collé avec. Bah, tout a été collé à la colle, hein, je précise, il n'y a pas eu de couture. Donc, de toute façon, vous le voyez en image. J'ai assemblé donc les deux parties bleu foncé avec les rubans. J'ai collé la cordelette rose qui pend. Et après, j'ai réalisé aussi les petites sphères en cordelette rose qui sont en dessous, au-dessus du nœud.
Après, on passe au pétale. Donc, comme vous l'avez peut-être vu sur l'image de référence, le hobby, donc ça fait comme une petite fleur là où va y avoir le grelot, pardon. Et donc, j'ai coupé ça dans de la mousse 5 mm. Et j'ai découpé donc toutes mes parties. Ensuite, je les ai poncées. Et puis après, j'ai mis du gesso pour faire l'avant peinture, du coup. Et j'ai recouvert avec la peinture pour tissu que j'ai utilisée pour faire le contour de mes nuages pour être en raccord en termes de couleur. Pour finir, ben, j'ai ajouté ce qui me manquait, donc c'est-à-dire les petites pétales et le grelot. Le grelot, je l'ai cousu à la main parce que vous savez, sur les grelots, il y a toujours une petite partie qu'on peut coudre. Et je l'ai aussi collé à l'aide de la colle néoprène aux pétales. Je sais pas si on le voit en vidéo parce que je me suis arrangée après pour que ça tienne droit le plus possible et que ça fasse un rendu le plus joli possible. Mais n'hésitez pas aussi à utiliser votre colle justement pour bien fixer votre grelot. Et voilà en quelques images le rendu final du hobby.